Même si on ne devrait pas quand même se maintenir parmi les 8 premiers, je pense, après les anneaux. Alors Fokine, il est très sanctionné pour cette faute? Ah, je pense que c'est une... Pour cette faute, pour cette sortie, on va dire, sortie facile. C'est une sortie qui ne lui rapporte aucun point. Donc la note de départ va forcément être assez faible. Et le contenu de son mouvement n'était pas excessivement dur non plus. Il n'avait qu'un seul lâcher de barre. Donc c'est alors, curieux. La note de départ, vous pouvez peut-être expliquer, Benoît. Voilà, le gymnaste décide avant de passer, quelques temps avant de passer, du nombre d'éléments qu'il va présenter. Et c'est l'accumulation de ces éléments et le nombre de points additionnés à la fin du mouvement qui détermine la note de départ, le maximum étant 10. Et forcément, quand on loupe des difficultés, la note de départ chute. Voilà, et la notation, évidemment, fonction de cette note de départ. Voilà. Plus vous partez de haut, plus vous avez des chances d'avoir de très bonnes notes. C'est simple. Alors attention, voilà ce qui se fait, peut-être pas de mieux, mais... Pratiquement de mieux, hein, il est cinquième aux derniers Jeux Olympiques à cet agrès. On peut voir que Tomita tient ses forces beaucoup plus longtemps et ça tremble pas. Alors regardez cette croix de fer, 1, 2, 3 secondes. De la rigolade pour Tomita. La maîtrise parfaite. L'alignement du corps est impressionnant chez ce gymnaste. Attention à la sortie, on le sait, c'est très très risqué. Voilà, aux anneaux, il faut piler la sortie, parce que ça fait forcément un dixième en moins, et dans un concours général, c'est énorme. Double tendu, ah, malheureusement un petit sursaut. Mais bon, ce qu'il a fait avant quand même, c'était parfait. Oui, ça devrait quand même le rapprocher de la tête de ce concours général. Eh bien, Tomita est en train peut-être de monter en puissance. Bah ouais, parce que Fokine nous a quand même montré quelque chose d'assez faible à la barre fixe. Donc je pense qu'avec ce que Tomita a fait, il devrait logiquement prendre la tête de ce concours. Ouais, c'est très beau, très très beau. Alors regardez, double tendu, extension maximum, réception, un léger sursaut en arrière. Bon, c'est pas bien grave.